Eh ben si, il y a quand même du monde en AM par ici, là, sur Orléans. C'est pas une zone sinistrée, Hachi, les 73 à tous. Je vais pas faire un tour de guette. Nous, on prend la route, on verra ça plus tard. Plus une petite visite de Bordeaux en partant. Les quais. Visite de Bordeaux. De n'importe quoi. D'Orléans. On n'est pas encore rendu à Bordeaux. T'as vu la machine là. À 70 mètres, prenez le rond-point et prenez la première sortie. Ah, et je roule sur les ronds-points et tout. Il y en a qui sont bien réveillés le matin, ça fait peur. Oui, on va attraper le pont de pierre, je ne sais plus comment il s'appelle. Longer les quais un peu vers la gauche. Pour rattraper après plus loin, on coupe à travers quoi, en fin de compte. Faites demi-tour dès que possible. Ensuite, sortez à gauche du rond-point. Ils ont une balise là-dessus. Ah oui, il y a une balise. Attention, les stations fréquences pour Dandy 33 qui l'on s'appelle depuis Orléans, côté la source. Attention, les stations fréquences pour Dundee 33 qui l'on s'appelle en mobile depuis Orléans, côté la source. CQO, c'est KDX, appel de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, Dundee 33 qui lance appel en mobile depuis Orléans, côté la source.
CQO CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, lundi 33 lance appel en mobile depuis Orléans, côté la source. CQO CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur Orléans, côté la source. Oh ben, s'il y a quelqu'un derrière, vu les messages d'hier soir, de mon côté là j'ai entre 5-6 de QRM, évidemment c'est pas du tout évident. Et 73 des stations qui seraient éventuellement derrière que j'entends pas de mon côté. CQO CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, Dandy 33 lance appel en mobile depuis la ville d'Orléans. CQO CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur Orléans. Attention les stations fréquences pour Dandy 33 qui l'en s'appelle. Tout à fait, on est toujours à la crue, en forêt de garde.
Il y en a deux, les grands, ils ont été démontés. Les deux qui sont en face d'Assyrie, enfin, je ne sais pas, le bout de bois, ça a été démonté aussi. Ils ont tous été démontés. Oui, mais pour remettre les nouveaux, ils l'ont dit dans le journal, là, ils vont remettre les nouveaux, là, bientôt, là. Les hauts, là. Les hauts, les ceux qui sont le jeu pendant les voitures, là, quoi. Ouais, mais attention, les nouvelles générations, là, j'ai vu ça sur internet, là, les radars roux, nouvelles générations, là, ils prennent aussi, ils arrivent à lire ton contrôle technique, savoir s'il est bon, s'il n'est pas bon, ton attestation d'assurance, voir si elle est valable, ils arrivent à voir si t'as la ceinture, si t'as pas la ceinture, si t'as le téléphone à la main, ils arrivent à tout, là. Mais si tu grattes le cul, et toi aussi. Non, mais quand tu vas passer devant ces machins-là, maintenant, ils vont. Alors, tu recevras la bombe. Ah, mais ça, c'est un coup à litige parce que la ceinture, tu sais, des fois, si t'as un vêtement noir, ils verront pas que t'as la ceinture et puis tu vas recevoir un PV, tu es obligé de contester, tu vas être en merde encore, tu vois. Et pour contester, il faut payer, ils iront la danse. Au mariage de mon fils, tiens. Ils vont être arrêtés. Mon fils s'est marié à Saint-Père. Et donc on a pris la route de la ville des Beaujolais, ça, comment ça s'appelle, après Châteauneuf, là, bien, pas en fait. Ça devenait plus vite. Bah oui. CQ CQ CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi en mobile sur Orléans. CQ CQDX, appel de 14 km 3301 en mobile sur Orléans. Attention Jean-Bernard, est-ce que tu as la copie de 14 km 3301 Rémi qui t'appelle depuis Orléans, côté ouest presque. Et zut, je me trompe de route. Là, je vois une voiture derrière, un véhicule à fourgon derrière. Ah oui, toi ton feu va pas être rouge. Attention Jean-Bernard pour Dundee 33 qui t'appelle. CQ CQ CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, en mobile sur Orléans Ouest.
on le voit bien, c'est bon. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur Orléans, côté ouest. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile du côté de Orléans Ouest pour rattraper l'autoroute. Station et station fréquence pour Dundee 33 qui lance appel depuis l'autoroute à l'ouest d'Orléans. Voilà, ils sont passés en QRT. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur l'autoroute à l'ouest d'Orléans. Attention des stations fréquences pour Dundee 33 qui lance appel depuis l'autoroute A10 à l'ouest d'Orléans. J'ai vu quelques antennes CBI sur les 1000 pattes. Pas sûr qu'ils ont l'air d'être en fréquence. Des mecs, rallumez vos postes, vous entendrez mieux. Attention, les stations fréquences pour Dundee 33 qui lance appel depuis l'autoroute A10 à l'ouest d'Orléans. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur l'autoroute A10 à l'ouest d'Orléans, enfin entre Orléans et Blois. Pour
Attention, le département 28 pour 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur l'autoroute A10 entre Orléans et Blois. Oui, affirmatif. Ça passe définitivement, mais c'est audible, il n'y a pas de problème. Ok, si vous voulez, on fait un petit QSY sur la fréquence de votre choix. Ok, je vois que là ça passe difficilement. Pour ma part, là je suis entre Orléans et Blois, voilà, sur l'autoroute A10. Et vous avez des bonnes 13-51 de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, Dandy 33 en mobile. Ok, ok, sur autoroute, sur Grand Rubon, ok. Allez, tous les du 14, Papa Alpha Tango 304, opérateur François, du 27. Ok François, ben, si vous voulez on peut faire un petit QSY sur la fréquence de votre choix, à moins que là ça soit vraiment difficile de votre côté pour me sortir. Ça va être compliqué, hein. C'est assez petit, ça part, ça revient. Enfin, donc c'est du mobile, hein. Moi c'est en fixe. Ok, ça marche, bon je vais pas... Je ne vais pas monopoliser la fréquence plus longtemps. Merci pour ce petit contact. Les bonnes 13-51 à vous. Bonne journée. En espérant qu'aujourd'hui, on ait aussi de la propague. Merci à vous. Bye bye. De la part de 14 km, 3301, opérateur Rémi. Voilà, Dandy 33 en direction de Blois, Tours, pour rentrer après sur la Gironde. Ok, ok. 14 km, y a pas de problème. Bonne route, prudence. Merci à vous, à plus. Alors ce qui est marrant, c'est que ça passe bien dans un sens et pas dans l'autre. Et à défaut, on a forcément l'impression que si, si, la personne m'entend aussi bien que je l'entends. Ce qui n'est pas forcément vrai, la preuve. C'est le mystère des ondes, des fois, comme ça. Eh bien, 9h15, voilà pour l'heure à peu près du contact, ou du groupe.
l'autorisation de station fréquence pour Dundee 33 qui lance appel depuis l'autoroute A10 à la hauteur du kilomètre 142. Attention, les stations fréquences du côté de Blois pour Dundee 33 qui lance appel. CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi sur l'autoroute A10 dans le secteur Blois-Tours. Ok, les 73 à vous, depuis le kilomètre 164, voilà, sur l'autoroute A10, entre Blois et Tours, de la part de 14 km 3301, opérateur Rémi, Dundee 33 mobile en direction du sud. Je disais, vous avez des bons sur 1351 de la part de 14 km 3301, opérateur Rémi, QRZ local sur la Gironde, Dundee 33. Voilà, nous redescendons, nous sommes dans le sens nord-sud. Non, ça fait trop haut. Vu que je suis en mobile, je vais avoir beaucoup trop de tos là-haut. Oui, ok, j'ai bien reçu de mon côté aussi. Là, j'ai eu du QRM. Ok, c'est pas grave, merci pour ce petit contact, vite fait, les 213-51 à vous, bon contact. Attention, des stations fréquence pour Dundee 33 qui lance appel en mobile depuis l'autoroute A10. Ah, j'ai entendu quelqu'un, le train-train QRP dans le lointain, les 73-51 la station, là, de la part de Dundee 33 depuis l'autoroute A10. Alors, à la hauteur du kilomètre 187, voilà, autoroute A10, 187 en direction de Tours. C'est beaucoup trop petit là de mon côté de la station, en espérant que je vais dans ton sens, là, de ton côté. Là, pour mieux t'entendre, les modes sont presque 51 à la station de Dundee 33. Voilà, la hauteur du kilomètre 188 sur l'autoroute A10. Ah, on dirait que ça s'améliore un petit peu, c'est bon ça. Ah, j'ai énormément de mal à te sortir là de mon côté, là c'est encore très très compliqué. Mais bon, là je me rapproche de Tours, ça devrait pouvoir le faire si tu es de ce côté là. Voilà, je suis au kilomètre 189. Ah, c'est très très compliqué de mon côté la station, au point que voilà, j'arrive pas loin de Tours, voilà, je viens de voir le panneau là, à Tours, là sur le bord de l'autoroute, là j'en suis pas très loin, c'est...
tout cas, la station là, qui a répondu, des bons sur 1351, voilà, de la part de Dandy 33. Voilà, nous sommes dans le sens nord-sud. Pour, on n'est pas loin du péage, voilà, on est à 2 km du péage de Tours. Mais là, kilomètre 191 sur la 10, là c'est tellement compliqué de mon côté que je suis même pas sûr que ça parle français. H3 Go. Bon, je vais passer en QRX là, momentanément, on a le temps de passer le péage parce que là dans la zone, là, à chaque fois là, sur les péages, c'est toujours saturé de QRM. Pas de partique. Attends deux secondes, petit moment, j'arrive au péage. Ah la vache. Oui, voilà, ça y est, j'ai passé le péage, je suis de retour. Tu m'entends bien? Ah, faut dire que je roule vite, c'est peut-être pour ça que ça passe plus fort. Attends, c'est encore assez petit là de mon côté. Là j'ai encore un petit peu de mal, c'est assez QRP là encore là de mon côté. Hein. Alors pour ma part, je suis en mobile, en voiture, en push. Voilà, et tu as des bonnes sur 1351 de la part de Dandy 33. Voilà, normalement, là, je rentre chez moi, je rentre au QRA sur, du côté de Bordeaux, Saint-Émilion. Et là, on est en ce moment à la hauteur de Tours. Ok, d'accord, voilà, je commence à entendre un petit peu mieux. Ah zut, vu qu'on est tous les deux en train de rouler et par moment là j'ai du mal à entendre. C'est encore très petit là de mon côté. Là, je suis à la hauteur de l'aire de repos Tours la longue vue. Voilà, aire de repos Tours la longue vue là qui est, je suis en train de passer juste à côté de ça. Alors là, ce coup-ci, là, je t'entends quasiment plus, la station, là, c'est vraiment trop petit, là, de mon côté. Et tu dois rouler trop vite par rapport à moi, H3 coup. Là, ce coup-ci, j'arrive plus du tout à t'entendre. Je vais te souhaiter, la station, une bonne route, une bonne journée. Et surtout, la prudence sur la route et à la prochaine sur les ondes. Ok, j'ai réussi à comprendre là dans le lointain, à bientôt.
CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, Dandy 33 lance appel sur l'autoroute A10 à la hauteur de Tours. Et c'est le salut. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur l'autoroute à la hauteur de Tours Nord. Les modes 73-51 vous de la part de 14 km 3301 opérateur Rémi en mobile sur l'autoroute A10 à la hauteur du kilomètre 202, c'est-à-dire du côté de Tours Nord. Pas de problème, ouais, c'est un CQRP aussi de mon côté. Alors je vais vous souhaiter dans ce cas-là le bon QSO. Et c'est vrai que là j'entendais à l'instant, je suis pas sûr que la propague soit la même aujourd'hui comme on a eu là ces deux derniers jours. Merci d'avoir quand même répondu, bon contact à vous. Ok, ça marche, merci d'avoir répondu et bon QSO à vous, bye bye. Ah oui, je confirme, j'ai presque l'impression que vous êtes assis à côté de moi dans le push. Merci à vous, bye bye, bon contact. Face de nous. Ah non, c'est Tours Sud, tout faux. Je connais même plus la ville. Attention les stations de Tours pour 14 km, enfin Tours et les environs pour 14 km, 3301 opérateur Rémi, Dandy 33 vous lance appel en mobile depuis l'autoroute A10. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur l'autoroute A10 à la hauteur de Tours Sud. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur autoroute A10 à la hauteur du kilomètre 208, c'est-à-dire Tours Sud.
augmentation en fréquence de la part de Nadi 33 sur l'autoroute A10 à la hauteur des kilomètres 288. Ça passe très petit là de mon côté là. Ah là par contre c'est arrivé à fond. Denis 33, t'es là-dessus? Affirmatif, avec des votes sur le 13-51, voilà je suis sur l'autoroute A10. Je suis devant toi, Denis 33, c'est Moutmout du forum FDR. Ok, en plus toi, comme j'ai marqué là sur le forum Fier d'être routier, justement j'espérais avoir du monde du forum en fréquence. Et bien voilà, c'est fait. Bah nickel. Ah, tu dois pas être très loin devant moi. Bah je suis au kilomètre 291. Ah, je suis au 290. Bah tu vas pas tarder alors. Tu m'étonnes, voilà, j'avais un petit peu de puissance derrière, pour le coup j'ai tout enlevé, j'ai pas envie de voir ton camion sauter en l'air quand je vais être à côté de toi. Hachis 3 coups, voilà, 291, rendu. D'accord. Putain c'est bon ça, puis en plus, si ça te dérange pas, là je suis actuellement en train de faire une petite vidéo. Alors si tu veux faire de la pub pour le forum Fier d'être routier, il n'y a pas de problème, lâche-toi. Ok. Oh ben là, du coup, tu coupes les pattes. Bon, en ce qui te concerne, j'irai plutôt les roues. Oh, viens. Ben, je te vois dans le rétro. J'arrive, je te pousse. Pour que je passe doucement à côté de toi, ton antenne elle est cachée où? Sur le rétro ou derrière la cabine? C'est à gauche, côté rétro. Ok, donc c'est le mille-pattes blanc ou vert? Vert. Ok, d'accord, je suis en train de calculer mon coup. Ouais, c'est bon. Je vais faire en sorte de ralentir un peu, là, pas trop, là, quand je vais passer à côté de toi. Ton Duster, là? T'es, regarde donc dans ton rétro, là, juste en ligne de mire. Je le vois, ouais. Voilà, j'ai mis la puissance au strict minimum. Impeccable, ça. Et comme dirait l'autre, c'est dans la boîte. La chute. Je prends la nationale 10 jusqu'à Maison Blanche, moi, à peu près. Ok, là, on reste sur l'autoroute, là, jusqu'à Poitiers, et puis après, oui, la nationale 10 jusqu'à chez nous, on va dire, en gros, c'est-à-dire du côté de Saint-Émilion. Ah oui, on va attendre encore pour un petit peu de temps, là. Bon, ta tournée s'est bien passée? Putain, tu m'étonnes. On est parti, là, vendredi matin. Direction Besançon, on a fait une petite halte chez le magasin la CRT France. Voilà, on a fait connaissance et tout, c'était bien sympa. Je suis reparti avec un nouvel haut-parleur qui va faire que je teste avec des LED là-dessus. Après Besançon, on est monté sur Mulhouse. J'avais une assemblée générale avec le RCI, c'est-à-dire qui est un regroupement d'associations dont j'ai un poste dedans là, adjoint au responsable radio et communication. Donc là, on a passé tout le week-end là-bas. Après, en suivant, on est allé se balader sur l'Allemagne, le nord de France, la Belgique jusqu'à Bruxelles. Pour redescendre hier sur Orléans, et bon, bah, la suite, là, voilà, tu la connais. Bon, ben, bah, impeccable, ça, tout ça. Ça change de ton petit coin. Ah, ben, bah, tu m'étonnes. C'est sûr que là, de temps en temps, voir comment il est ailleurs, c'est pas mal non plus, quoi. Je dis pas ça au niveau YL, parce qu'elle est à côté de moi, en plus. Ah, non, c'est voir du paysage, voilà, c'est surtout ça. Ah,
Ah ben ça, la France est belle, quand tu t'attardes un peu à regarder à droite et à gauche, franchement le paysage est magnifique par endroit. Ouais. Oui, c'est ça, et des fois je blague avec ça, mais je dis comme ça, mais justement, quand il y a des bouchons, c'est l'occasion de profiter du paysage. Et c'est pas totalement faux, hein. Ben, c'est ça, mais sur le forum, j'ai deux, trois petites vidéos qui sont où tu vois principalement du paysage, parce que c'est ce que je filme à peu près, quoi. Ok, ben ça c'est bien sympa, ça justement, comme ça, ça permet de voir aux gens là, comment c'est, et puis ainsi de suite, ça donne des idées, quoi. Et voilà, exactement, ouais. Voilà, voilà, j'ai remonté un peu la puissance parce que tu risques bientôt de plus m'entendre. Ah, je suis qu'une petite station, moi, j'essaie de pédaler au maximum pour que tu puisses m'entendre. Ah ben c'est très bien, c'est bien, parce que moi au niveau réglage, après j'y connais plus trop grand chose, tu sais. Ah, ça y est, de suite, ça se la joue petit joueur. Mais faut pas oublier que la CB est quand même arrivée par la route. Donc c'est vous autres les 1000 pattes là qui sont censés justement le, on va dire booster la CB au maximum comme ça l'a été aux origines. Ah ben si je suis revenu sur la CB déjà, c'est parce que étant plus jeune, ben, je l'avais eu au début de la route puisque tu n'avais pas tous ces portables. Et puis après, à travers ton forum aussi, ce que tu marquais sur le forum FDR, où certains y sont encore, tu vois, t'as Bruno, comme tu l'as vu, remet sa CB. Je pense qu'il va repartir sur une antenne CB. Mais voilà, c'est un peu aussi ce que tu as fait et ce que tu fais qui relance un peu le mouvement, quoi. Ben c'est le but. Ah, c'est le but. Voilà, non, justement, là, il faut continuer dans ce sens-là, quoi. Il faut continuer à donner envie aux autres. Voilà, c'est ça, quoi. Et si aujourd'hui, la grande mode va plutôt vers du high-tech, qui n'est pas du toujours plus moderne, qui n'est pas toujours... Attends deux secondes. Ok, voilà, c'était juste le temps que les papas viennent de passer. Si aujourd'hui on va forcément nous dire du moment que c'est moderne c'est forcément bien, et bien je suis pas forcément d'accord. Voilà, kilomètre 303, je suis pas forcément d'accord, c'est pas forcément vrai, puisque justement avec un téléphone, ben, tu peux pas faire ce qu'on fait là, quoi. Voilà, et là on peut être ça fait du monologue, on peut être 2, 10, 50, 500 là sur le canal, ça pose aucun problème, quoi. Exactement, ouais. Et puis t'as tellement de canaux que voilà, tu peux différer, et puis quand t'as les grandes ondes, tu peux discuter encore plus loin, quoi. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai sur mon poste. Voilà, j'ai les modes USB et LSB qui me permettent justement de bien profiter là, des passages de propagation comme il y a eu là, ces derniers temps, là, hier et avant-hier. Enfin, hier, j'en ai pas trop profité, j'étais en train de visiter Orléans avec un ami. Mais je vois, avant-hier, j'étais sur Bruxelles et j'ai discuté avec les stations du sud de la France, sud-ouest, tout ça, quoi. C'était nickel, quoi. Voilà, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, en plus de ça, tu vois, là, les gens, quand ils sont au téléphone, ben, ils sont concentrés sur leur téléphone, sur la communication, ceci, cela, enfin, en gros, ils sont comme s'ils étaient au bureau. Sauf qu'ils sont sur la route et ils ne font plus du tout attention à quoi que ce soit. Alors que Calassimi, c'est plus des petites anecdotes, des machins, des ceci qu'on va balancer. Il n'y a pas besoin d'avoir un cerveau ni d'être concentré sur ce qu'on dit. Hachis trois coups. C'est voilà, c'est nettement plus convivial, et puis voilà, quoi. Exactement, c'est ça, voilà, ouais. Mais là, tu sais que mon pote, moi, c'est la vitesse 9009, hein. Ah oui, t'as une bête de course là déjà là. Ah oui, ah oui, oui, oui. J'ai que le 7009 là avec moi là dans le push. Enfin, je dis ça, je dis une connerie en même temps. Oui, c'est bien le 7009, comme tu peux le voir sur mes vidéos, avec ce que j'appelle la petite boîte de miroir derrière là, pour bien astiquer l'antenne pour que ça passe plus fort. HI3 coups, c'est-à-dire le Zetaki B550P, que j'utilise très modérément. Et l'antenne. T'as eu le temps de le voir là quand je suis passé là dans un courant d'air, la Wilson 5000. Oui, j'ai vu, et puis
j'avais suivi ton montage, ouais. JP, ben moi c'est une Sirio, c'est la 5000 Turbo. Ok, j'arrive au kilomètre 308, je commence à te perdre. Alors attends, moi j'arrive au kilomètre 305, t'es à 3 km devant moi. Là c'est bon, c'est remonté. Tu parlais peut-être à côté du micro et tout, ce qui fait que ça a donné un effet comme si je te perdais. Non, non, mais c'est bon, t'es toujours là. Ah, quand je te disais, j'ai une Sirio Turbo, moi, la 5000, là. Ah oui, elle marche bien, celle-là, en principe, oui. Ouais, et puis, ben, obligé de la couper, parce que niveau du taux, ça passait plus, quoi. Ouais, non, mais ça arrive. C'est vrai que... pas mal de stations disent s'il faut couper l'antenne, il y a un problème, ceci, cela. C'est pas forcément vrai, c'est pas forcément faux. Attends, je vais me ranger derrière un mille pattes, hein, j'attrape la prochaine sortie. Ouais. La sortie 30, j'attrape. Voilà, c'est pas forcément vrai, c'est pas forcément faux. Si la masse est vraiment excellente et tout ça, je vois moi pour la mienne par exemple qui est en perçage, et bien effectivement j'ai dû raccourcir un petit peu l'antenne, puisque les fabricants provoquent volontairement l'amalgame entre la plage d'utilisation et la bande passante de l'antenne. C'est-à-dire que, pour faire très simple, l'antenne bien réglée, tu peux l'utiliser de tel canal à tel canal, quoi. En gros, là, je simplifie au maximum. Et là où les fabricants provoquent l'amalgame, c'est qu'après, l'antenne, tu peux la régler de telle fréquence à telle fréquence. Voilà. Et je vois, moi, pour ma part, la Wilson 5000, elle va de 26 mégas à 30 mégas, ouais, quelque chose comme ça, ou 29. Mais ça, c'est juste pour le réglage. Et c'est vrai que quand je l'ai montée, elle était très bien réglée sur 26 mégas. Donc j'ai dû la couper un petit peu pour qu'elle soit davantage sur la CBI. D'accord, ouais. Si tu veux, si tu as un peu de temps, s'il y a un peu de place au péage, là, à la sortie d'Angoulême, histoire de se faire une petite poignée de main. Pourquoi vu que t'es pas loin, j'ai recoupé à nouveau. Tu prends aussi la sortie 30? Ouais, je prends la sortie, ouais, de Poitiers Sud, ouais. Eh ben, ça marche pour moi, en plus il pleut, comme ça permettra de se laver au passage. Exactement. Ok, d'accord, eh ben là j'ai le péage en vue, pas de soucis, là je me gare aussitôt après le péage. S'il y a de la place, parce que voilà. Ouais, affirmatif. Là, je vais baisser un petit peu le volume parce qu'à chaque fois, c'est. Bah, de toute façon, hein, les péages, hein, on prend toujours ça pour les QRM. Et qu'est-ce que ça en fout dans le poste au passage? Au secours. Oui, ça, c'est une catastrophe. Quand le squash est mis, quand j'arrive à un péage, ça y est, ça part en cacahuète, moi. Oui, et bien voilà, tu vois, là, je suis au cul d'un mille pattes, là, juste là, au niveau du péage. Et ça y est, là, je suis assassiné de QRM. J'arrive, je suis à 1000 mètres de la sortie. D'accord, ok. Comme ça, tu pourras voir l'installation. Ah bah tu m'étonnes. Et dire qu'il y en a qui disent que les mille pattes n'ont plus la CB, ceci, cela, ainsi de suite, c'est complètement faux, quoi. Attends, je crois que lui, il a un problème. Non, c'est bon, il avance. Il y avait deux camions. Oh, ben là, on est en train de se prendre une belle averse. Et si on restait justement là, à l'abri en dessous, hein? Ah, chi. Eh, ben, ça te dérangerait pas, ça dérangerait les autres. Ah, chi. Oui, je crois. Ok, j'ai un parking voiture, moi, là, juste à côté. C'est bon, t'as un parking pour toi. Merci, impeccable. Voilà, c'est aussitôt à droite. Ouais,
Ok. Je suis garé là et le GPS qui me dit j'ai resté à gauche. Alors non, je te vois toujours pas arriver. Pourtant je suis rendu. D'accord, tu joues dans la transparence toi. Ah toujours. Ouais, tu verras là, le long des parkings voitures là sur ta droite, là justement t'as l'emplacement réservé au camion. Ouais, je vois là. Ah oui, ça y est, je te vois. Ok, c'est bon ça. Ok, je coupe là, j'arrive. Ok. Ah ben toi, t'as quelqu'un qui a déjà pris la place, là, là où t'étais garé avec ton camion, là. Ah ben ça, t'aime pas. T'as, par contre, là, j'entends quelqu'un, il y a du monde, là, il y a un QSO, là, qui part derrière. Ah, ah ben non, t'es pas encore parti. Je croyais, ah oui, non, j'ai confondu avec l'autre camion. 150 mètres, restez à gauche. En tout cas, merci pour ce visu là, c'était vraiment super sympa. Hein. Et plus de m'avoir laissé monter dans ton camion, là, voir comment tu étais installé dedans. C'est vrai que là c'est pas mal. Ouais, bravo. Ben merci, quand on peut faire plaisir, il faut, hein. Ah tu m'étonnes. La vie est assez courte pour se faire chier, autant se faire plaisir comme tu le fais. Exactement, c'est ce que je dis toujours. Tu vas être sur la National 10, tu vas pouvoir bien regarder, mais si tu fais gaffe au portugais et espagnol, tu verras que les antennes sont c'est de eux que je me suis inspiré pour poser l'antenne. Oui, exactement, et ils sont principalement équipés là, de Santiago 1200. Oui, c'est ça, ouais. Je viens de faire un raté là dans les vitesses, au secours. Je t'ai fait un quatrième, troisième. J'ai pas aimé quoi. Ah ben c'est du propre. Ouais, c'est comme tu dis, oui. Attends, j'ai le GPS là, je crois qu'il est en train de me faire un coup tordu. C'est la fois que je rate ça de plus près. Quoi. Désolé. Voilà, attends, je relâche, il faut que je rate ça de plus près. Parce que je suis pas sûr que le GPS ait compris là où on doit aller. Il ah, y a peut-être des chances qu'il te fasse faire un détour, parce que moi j'ai un copain de Lyon pour aller à Nice, il le fait passer par l'Italie. Oui, ben je crois que c'est un petit peu ce qu'il veut nous faire faire. Au moins tu visites. Oui, voilà, c'est ça quoi.
Alors. Bon, j'ai les Gretel. Ouais, j'ai les Gretel là qui a allumé son. Qui a démarré là, son GPS là, sur son téléphone. Je crois que je vais plutôt suivre ses indications plutôt que mon GPS. Google Maps peut-être? Oui, affirmatif, c'est ça. Bon, ça va, moi je m'en sers surtout pour voir les clients, mais c'est pas mal, parce que ça te donne l'info en trafic en temps réel, et franchement c'est pas mal quand même. Ok, ouais, je crois que... Alors, attends, voilà. C'est bon, je repars. faut que je fasse demi-tour. Pour le coup, les deux GPS ont dû se concerter là, pour tomber d'accord, pour nous faire chier. Quoi. C'est bon, t'es reparti, t'as repris ta route? Oui, je suis déjà. Ça va faire 5 minutes que je suis parti. D'accord, ok. Parce que là, tu passes toujours aussi bien de mon côté. Ah ben, toi aussi, on remarque la puissance. Non, pas là. Sortie. Non, là, c'est juste la puissance du poste, là, c'est tout. C'est bien, hein? Ah ben, j'essaie de pédaler un maximum pour donner le plus de jus possible. Ah ben, oui, il faut. J'avais une connerie à sortir, elle est sortie. Alors, le truc marrant, c'est que de temps en temps, là, j'ai mon GPS... au niveau du passage du message vocal qui me passe carrément dans le haut-parleur de la CB. Ah ouais? Ouais, il y a une petite perturbation comme ça. L'électronique. Jetez-moi tout ça! Alors tiens, le truc marrant, c'est que mon GPS, il me dit que pour rentrer sur le sud-ouest, il faut que je prenne la direction de Paris. Et ben non, nous on prend la direction de Bordeaux. Enfin Bordeaux, Angoulême, Sainte, enfin de ce côté-là. Mais ah oui, c'est moi, j'ai pas compris. On prend la National 10. Voilà, c'est ça. Disons que des fois je comprends très vite, trop vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Ah oui. Ah putain, en tout cas, je serais bien reparti avec ton camion. Hein. Ah, t'as vu? Ah oui, j'ai loupé une vocation là. Voilà le petit quiproquo tout à l'heure, effectivement, ouais. C'est qu'on n'a pas dû lui dire assez fort qu'on voulait prendre les National 10 pour rentrer. Et oui, je ne sais pas pourquoi je continuerai sur l'autoroute, alors qu'à partir d'ici, la National 10, elle est très belle jusqu'à redescendre. Ah ben, t'as que de la 4 voies jusqu'à Bordeaux, ils sont en train de finir un bout de 4 voies, là, justement. Ils sont en travaux, là, juste... au-dessus de Barbezieux là. Ouais, d'accord. Hein. Bon, ouais, bah, autant continuer de ce côté-ci et puis le paysage est plus beau. Ah, puis surtout, t'économises des sous par rapport à l'autoroute et puis si t'as besoin, t'as des supermarchés ou des choses comme ça à droite et à gauche, quoi. Oui, affirmatif. Et justement, j'étais en train de penser, mais toi, ça doit te coûter un bras à chaque fois quand tu prends l'autoroute. Après, je sais pas combien qui paye le chef, mais tous les chefs que j'ai eus, quand on fait Bordeaux-Poitiers, c'est National 10 obligatoire. Ouais. Mais tu m'étonnes, ça doit être l'horreur à chaque fois. Ah ben, t'as des portions d'autoroute, toi, qui sont très très chères. Ouais. Ouais, tu m'étonnes, surtout pour les camions, là, ils en profitent, là, ils se lâchent.
Alors qu'ils diminueraient les prix, il y aurait plus de camions sur l'autoroute. Ouais, mais ça, ils n'ont pas bien compris le principe. Pourtant, c'est ce que font en gros les grandes surfaces. Et puis, ils achètent en très grosse quantité de façon à casser les prix un maximum. Et bon, ben, ça baisse évidemment tous les petits commerces. Mais eux ont compris le système à ce niveau-là. Et c'est vrai que les autoroutes pourraient faire pareil. Exactement, t'as le système espagnol, mais c'est ça, hein. Pour les camions, c'est moins cher que pour les voitures. Ah, d'accord. Ah, tiens, c'est intéressant, ça. C'est bon à savoir, ça. Ça oblige aux chauffeurs espagnols, quelque part, à prendre l'autoroute, vu que c'est beaucoup moins cher. Ah bien sûr, comme quoi, la preuve que chez nous, on marche sur la tête à ce niveau-là, quoi. Mais c'est vrai que ce serait nettement plus rentable, nettement plus efficace de faire passer les camions par l'autoroute en faisant comme ça, quoi. Ben voilà, ça évite certaines traversées de village qui sont un peu pas faciles et puis certains dangers, quoi. Ben tiens, tu m'étonnes, parce que bon, c'est vrai que... qu'est-ce que c'est cette antenne qui est sur la bouche, hein? C'est vrai que les gens n'arrêtent pas de pester les camions sur les traversées de village et tout ça, mais à côté de ça, au niveau du service routier, rien n'est fait en fin de compte là, pour avantager les camions à prendre l'autoroute. Et c'est bien dommage. Oui, voilà, et puis il y a un problème réel qui se passe, là, comme si tu suis un peu l'actualité sur la nationale 10 sur plan Gironde, là. Dernièrement, il y a eu des gros cartons, parce qu'il y en a qui dorment sur la bande d'arrêt d'urgence, mais le problème, c'est qu'on nous réduit les parkings, on nous les supprime, ce qui fait qu'on arrive au bout d'heure, t'as tel trafic que ben, tu sais plus trop te garer, et puis il y en a qui viennent sur les bandes d'arrêt d'urgence. Dans les zones industrielles, on nous supprime même les places, ils veulent plus qu'on s'y gare, du coup, ils mettent des gros cailloux, donc il y a un réel manque de place. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est vrai que, justement, tiens, puisqu'on parle de ça, je vois souvent des camions arrêtés sur les bandes d'arrêt d'urgence et ainsi de suite, alors que le code de la route l'interdit, ça, et c'est vrai que là, c'est un petit peu abracadabrant le truc. Parce que c'est vrai que là, par rapport au disque et tout, t'as pas le choix. Quand lui te dit de t'arrêter, t'es obligé de t'arrêter. Si tu t'arrêtes pas, tu prends une prune. Si tu t'arrêtes sur une bande d'arrêt d'urgence, logiquement, ben, c'est une prune aussi. C'est quelque part, vous autres, t'as 1000 pattes, vous êtes baisés de tous les côtés, quoi. Si tu tires pas tes heures, t'arrêtes trop tôt, bon, t'as certains patrons, ils comprennent, donc ils disent rien, mais t'en as d'autres, tu te fais engueuler, quoi. Et oui, voilà, exactement, quoi. C'est... ouais, bon, de toute façon, une chose est sûre, c'est qu'au bout du compte, ce sera toujours le chauffeur de baiser. Exactement, ouais. Bah, tu vois, comme hier, sortie de Paris, il n'y avait rien. On a poussé l'amplitude, j'ai fait 16 heures d'amplitude au lieu d'en faire 15. Donc là, sur 28 jours, je serre les fesses pour 135 euros, quoi. Si je me fais gauler. Ah, la vache. Pourtant, c'est vrai qu'il devrait y avoir une souplesse quand même à ce niveau-là, de façon à ce que quand au niveau du compteur du moucheur, tu arrives à ton nombre d'heures, d'avoir une fourchette qui te permet quand même de rejoindre un endroit où tu seras nettement mieux stationné. Quoi. Ah ben oui, ben de toute façon il te signale dès que t'es à 4h15 de volant, il te le signale. Pour l'amplitude, bon il le signale pas encore, mais ça va venir, je pense, avec le nouveau tachygraphe qui va arriver. Parce que le nouveau tachygraphe, les gendarmes te suivront derrière et verront toutes tes 28 jours. Oh la vache! Mais c'est du flicage à fond ça! Bah oui, parce que comme ça, ils chopperont vraiment ceux qui passent actuellement encore à travers les mailles du filet. Ouais, d'accord. Mais ça veut dire que même les anciens camions seront obligés de s'équiper de ce nouveau tachygraphe? Ça, je sais pas. Je pense pas. J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Là. Ouais, d'accord. Là, je profite justement d'avoir quelqu'un comme toi en fréquence là pour m'informer au maximum, quoi.
Oui, parce que là, je remarque que tu as toujours des vieux camions qui sont sur la route avec des tachygraphes, des mouchards à papier, quoi, un disque papier qui s'appuie. Et donc, forcément, eux, quelque part, ils sont les rois carottes. Ah, ben oui, mais normalement, t'as pratiquement plus de taquis à disque. Hein. C'est presque. Il reste encore sur les vieux camions, mais c'est presque fini, ça. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, mais bon, t'en as encore quelques-uns. Et c'est vrai que là, il y en a qui en profitent. J'en dirai pas plus, mais il y en a qui en profitent un petit peu. Ah ben oui, avec le taquis à disque, tu peux gagner un peu de temps, on va dire. Oui, voilà. Un chiffre trois coups. Oui, voilà, ben voilà, je viens de regarder. Ouais, ben là, je suis bien sur la nacelle 10, ça, il n'y a pas de problème. Et ben j'arrive à la hauteur de la sortie Vivonne, la sortie 34. Mais hein. Bon, moi, je continue direction plein sud. Hein. Ah ben, moi c'est pareil, je quitte l'autoroute dans 30 km, moi. Enfin, la nationaliste, je la quitte dans 30 km. Ok, d'accord. Eh bien, en tout cas, je t'entends toujours aussi bien. On voit que là, il y a eu du travail sérieux de fait dessus, là, au niveau de l'installation et je le dis sérieusement en plus, hein. Du moins j'essaie. On voit que l'installation a été faite sérieusement là, dans les mille pattes. Parce que, tiens, pour la petite anecdote, je vois des fois là, quand je sors du pro, il y en a certains au bout de, allez, à la louche, 2 km, je les perds. Ah oui, ah oui. Ben, ma première installation, je crois que c'était ça. Hein. Et oui, voilà, et c'est pour ça que après on voit des messages sur internet disant j'entends personne sur la CB, il n'y a plus personne. Ben oui, mais bon, si la qualité de l'installation n'est pas meilleure que ça, c'est un petit peu normal, hein, parce que si les mecs, au bout de 2 km, déjà, on les perd, tiens, je suis en train de croiser là, un mille pattes, plein de bagnoles, avec aussi lui aussi l'antenne sur le coin gauche. Ouais, donc, je disais, si les mecs, déjà, ils n'arrivent pas à passer plus loin que de 2, voire 5, et dans le meilleur des cas, 15 km, il faut bien qu'ils comprennent que la réception, elle sera peut-être pas forcément meilleure non plus, quoi. Exactement, tu verras la station Avia sur ta gauche, c'est là où il y a GG, où il est de bons conseils lui aussi, et où t'as plein de postes et d'antennes. Oui, j'ai des infos sur sur mon forum dans les boutiques. Par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est que ces prix pratiqués sont loin d'être les meilleurs. Internet, ça bouge un peu les prix, quoi. Enfin, ça baisse, quoi. Ouais, bien sûr, c'est vrai, ouais, je suis bien d'accord, parce que bon, ça te fait des intermédiaires en moins. Mais je vois, par exemple, allez, on peut dire que... je parle pas des postes présidents, hein, mais des autres, le site de CRT peut servir, par exemple, de site de référence, là, pour avoir à peu près une bonne indication, là, une bonne idée de prix. Alors quand je vois certains, justement, au niveau des centres routiers, centres auto, des trucs comme ça, là, qui sont un petit peu beaucoup hauts, je me dis, c'est dommage. C'est dommage, oui. Ah ben oui, parce que ça serait un petit peu moins cher. Il y aurait peut-être un peu plus de monde qui achèterait aussi, ouais, c'est vrai. Oui, voilà, exactement. Et pourtant, si on regarde bien, autrefois, les postes de CB coûtaient bien plus cher qu'aujourd'hui. Hein. C'est, à chaque fois, ça coûtait un bras. Hein. Alors, quand je vois certains, justement, là, qui disent « Ah oui, mais ça coûte cher, ceci, cela », je me dis que, quelque part, est-ce qu'ils ont vraiment envie d'installer la CB? Là est la question, je crois. Oui, parce que tu vois, moi, pour ma SS,
la S7, la 6000. Moi, j'ai pas cherché midi à 14h. J'ai dit, bon, ben, je voudrais un poste qui fasse l'USB, tout ça. Ben voilà, j'ai pris celui-là. J'ai pas cherché, quoi. Et je l'ai pris à Barbezieux à 200 et quelques euros. Ouais, je crois qu'il doit être dans cette fourchette-là, il me semble. Ah, j'ai pas... faudrait que je regarde. Mais ouais, je crois que ça correspond, ça colle. C'est le CRTC 9009 que t'as. Ouais, c'est celle-là, ouais. Mais sur Internet, tu la trouves à 190 euros sur Internet, ouais. Ah, je suis en train de regarder, va falloir que je me trompe, une pompe à gasoil, pas une pompe à bière. Non, celle-là, ce sera pour plus tard. Une pompe à gasoil sera déjà pas mal. Attends, t'es loin de ta réserve ou quoi? Je suis déjà à 908 km du réservoir, je vais y aller droit. Là, je préfère parce qu'après, puis vu la température douce qu'il fait là, pousser la voiture, ça me ferait chier, moi. Je transpirerai vite. Hein. Je suis trop cool. T'as la SO, à moins que tu l'aies passé, la SO à carte qui sera sur ta droite à hauteur de la vire. Eh bien, justement, je viens d'y rentrer juste. Ah, bah tu vois. Ouais. Ah, j'entends, ça papote là derrière, ça papote. Ok, je passe en QRX le temps de faire le plein. Y'a pas de soucis. Voilà, de retour. Pour moi, c'est bon. Ah, c'est bon. Ok, voilà, ça y est, putain, j'ai presque 90 euros de gasoil. Oui, bon, je sais que pour toi, c'est pas grand chose, mais en voiture comme ça fait beaucoup. Tiens, mais on voit que là, t'as fait de la route parce que là, je suis en train de te perdre. Bah, je suis assez loin, je sais pas si tu verras une pancarte, je suis au kilomètre 96. D'accord, moi je suis en train, alors non ça je le vois pas, je suis en train, je suis à 800 mètres de la sortie 37. Non, pour l'instant je n'ai pas de kilomètre d'indiqué. Alors si, je suis au kilomètre 82 là sur la SL10. Ah oui, et puis en plus là j'ai un QRM qui est monté, là j'étais un petit peu perdu. Voilà, je suis au niveau du centre routier de la sortie 37. Là on a plus de 10 km d'écart. 10 km c'est tout, pas plus, et je commence à te perdre un peu. Wow, ça c'est pas sérieux ça. Eh, le bouton de puissance, tu l'as laissé à zéro, là, c'est pas possible. Non, oui, attends. À fond de quel côté? Du côté bois, tu veux dire? Ben là, on dirait que ça passe mieux, ou alors t'as pas pris le micro. Ah, j'ai pas répondu encore. Ah oui, tu m'étonnes. Voilà, kilomètre 84. Ben, je suis en train de remonter, j'étais dans un creux aussi. Ah bah ben, si tu me fais des blagues comme ça, toi aussi. Ah ben là, ça arrête pas, là. Tu montes et tu descends, là. Enfin, c'est pas une grosse montagne, mais ça suffit des fois pour se perdre. Ouais, c'est ça. Puis là, je viens de voir, là, il y a des radars de portions, là, sur cette route. Ah, oui. Ah, ouais, ça, c'est le truc, le bescouillon, mais royal. Parce que tu passes à la hauteur du radar, ok, à chaque fois, les gens ralentissent, ceci, cela et tout. Puis une fois passé, ben, ils accélèrent. Ah, zut. Arrivé sur le prochain poteau, zut, le calcul n'est pas bon. Flashé. Ah,
Ouais, t'as aussi certains, sur l'autoroute à Nice, d'un radar portion, le premier il se trouve entre l'entrée du parking et la sortie du parking. Ce qui fait que ceux qui connaissent passent par le parking, ce qui fait qu'ils ne sont pas coulés. Tiens donc. Ah d'accord, ça peut marcher comme ça aussi. Tiens donc, c'est bon à savoir ça. Ah, vu qu'il t'a pas pris une première fois, donc c'est bon. Ah bah oui, tu m'étonnes. Pour le coup, au deuxième passage, il te connaît pas, quoi. C'est ça. Ah, c'est du propre, ça. Ah, ben ça. Ah, chie trois coups. Et là, tu t'en vas là, sur quelle région, là, comme ça? Je vis à la base d'Intermarché qui se trouve juste après Maison Blanche, là, après Posé Voté, dans 79. Et après, je recharge par chez moi en Vendée pour et puis je rentre. D'accord. Ouais, tu rentres pas tous les soirs chez toi, quand même? Non, non, moi, je pars à la semaine. Ok, ah, j'ai entendu parler derrière dans le lointain. Ouais, il y a un autre QSO derrière au loin. Ah, tu vois. Ben, cette semaine, j'ai eu des Espagnols qui ont squatté le 19 pendant un sacré peu de temps. Là. Eh ben, t'es, je crois que ça doit être eux. Hein. Là, qui sont derrière, il m'a semblé que c'était pas très français. Alors, ce matin, je sais pas si c'est un espagnol ou un portugais, mais par contre, lui a fait son maximum pour parler français. Hein. Mais c'était vraiment très petit de mon côté. Kilomètre 89. Ouais, j'arrive, là je suis en train de passer au kilomètre 89 et toi t'es en cours d'un trou. Ah ça y est, je remonte. Ouais, je disais donc là, tout à l'heure que ce matin ouais, j'ai eu un portugais ou un espagnol. Bon, je l'entendais tout petit, mais je voyais bien que tu faisais de gros efforts pour parler français. Ah c'est bien ça. Moi, je suis au kilomètre 103. 103 et j'arrive au 90. Voilà, je suis en train de passer le kilomètre 90. Ouais, et c'est en train de moustacher de plus en plus, donc je sens que là je vais les croiser. Il y a du monde derrière, ouais. Ah, bah quand même, tu me fais plaisir, je suis pas tout seul à entendre du monde. Bah, c'est des Espagnols, je crois, non? Putain, si j'étais tout seul à entendre du monde, j'aurais pu me demander si c'était pas moi dans ma tête qu'il y avait un QSO qui se faisait, quoi. Ah, ça s'est calmé là pour le moment. J'ai entendu, ouais. En tout cas, si c'est des Espagnols qui remontent, quand je vais les croiser, ils vont être contents. Espagnol, portugais. Kilomètre 92. Ouais, enfin oui, de ce côté-là, quoi. Ils vont être contents parce que pour que tu m'entends mieux, oui c'est ça, j'ai la boîte de miroir qui est allumée derrière. Ah d'accord. Ah ben oui, quand on roule ça fait du bruit, hein. Donc faut bien donner un petit peu la main pour réussir à bien entendre. Ah ça. Enfin je veux dire de ton côté quoi. En tout cas, ouais, c'est pas très fort du mien, là, mais ça, je t'entends, y'a pas de problème. Ah, moi aussi, je suis bien content, parce qu'il y a à peu près 10, il y a au moins 10 km, et bah, je suis content de moi, là. Ok, alors je vais te dégoûter un petit peu. Quand j'ai par exemple Barracuda 56 en fréquence, alors lui il arrive à taper à 50 km.
C'est sans propague, sans rien. Juste, juste le poste, sans plus. Le même que le tien en plus. Et je l'ai déjà eu à bien 50 km. C'est. Ah tiens, à propos de Barracuda 56, avant-hier, il était, on voit que là il y avait vraiment une bonne propague, parce qu'il était dans les Landes, et moi du côté de Bruxelles, là tout là-haut en Belgique, et on s'est tapé un bon petit QSO. Hop là, mais arrête de passer dans les trous, comme ça je t'entends plus après. En tout cas, je vois côté météo, ça va, quoi, le beau temps est vite revenu. Hein. On a eu deux jours de merdouille, et puis là, bon, c'est bon, ça revient au beau temps. Et je te l'ai dit tout à l'heure, arrête de passer dans les trous. Je t'entends plus après. Quoi. Ah ben voilà. Voilà. Ah, mais je sais bien que tu fais esprit. Dès que tu vois un trou, tu passes dedans. Comme ça, je suis baisé, je ne peux plus t'entendre. Bah, je blague avec ça, mais je vois par exemple, comme tu as vu, il y a une espèce de mode pour les fameux petits d'un PMR 446. Mais c'est vrai qu'à l'utilisation, c'est pas forcément évident. Il y a intérêt à être vraiment proche l'un de l'autre. Parce que si la civi passe par-dessus les collines, les ceci, les cela, ces engins-là, là, ces PMR 446, ils intéressent que le terrain soit dégagé, parce que c'est vraiment de la ligne droite. Hein. Putain, là, non, je sais pas si... Attends, là, je t'ai un petit peu perdu, hein. Je pensais pas que c'était toi. J'entendais parler derrière. C'était très très QRP. Je pensais à une autre station. Attends deux secondes. Ok, c'est bon. Je pensais que c'était toi là, que j'entendais d'être très très QRP. Et puis non, t'avais tout simplement pas repris le micro. Alors, kilomètre 99. Là, j'avais des lignes, je comprenais pas trop ce que tu me disais, j'avais des lignes juste à côté de moi. Je suis sorti direction Niort, là. Je prends la route pour aller chez mon client. Waouh, ah bah oui, midi moins 20, il est temps. Kilomètre, donc c'est bon. Ah bah oui, ça c'est du travail de pro. Impeccable, avec une petite coupure qui va bien. Au client, tu devrais lui dire comme ça, puisque je suis arrivé à l'heure. Ah, allez, une petite enveloppe, 500 euros par exemple, tu serais pas contre. Hein. Bah, je vais pas cracher dessus, c'est sûr. Un petit croco. Tu m'étonnes. Je suis en train de. J'ai les éoliennes là, pile en face de moi. Ouais, je devais lancer cette connerie parce que ça m'a fait penser à un reportage aux États-Unis. Comment c'est dit ? Enfin, bon, je sais plus le titre. Hein. Et eux là-bas, c'est pas compliqué, s'ils respectent, s'ils sont un petit peu à la bourre, ils peuvent se faire sucrer leur prime. Putain la vache. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est ça, ouais. La route de tous les dangers, je crois que c'est ça, oui. La route de tous les dangers, il me semble que c'est ça le titre du reportage. Et effectivement, le mec, il le dit dedans, hein, c'est à chaque fois qu'il arrive là sur un relais routier, ainsi de suite, hein, là pour prendre une nouvelle commande, une nouvelle livraison, et bien ils ont intérêt à être à l'heure. Hein, parce que sinon là ça leur coûte leur prix, ils sont baisés. Hein, et putain la vache. Alors eux c'est vraiment pire que chez nous parce que d'un côté, t'as des flics qui sont là, qui n'arrêtent pas d'en faire la chasse.
l'autre côté, tu as des clients qui leur mettent la carotte, enfin la carotte, ou plutôt la carotte pourrie, oui, en leur disant que ben, s'ils ne sont pas à l'heure, ben, c'est adieu la prime. C'est pas évident. Hein. Ah ben complètement, il y a des systèmes qui sont complètement différents. Ouais, voilà. Hein. Alors c'est vrai que quand je vois en France qu'il y en a pas mal qui se plaignent et tout, ça, de leurs conditions de travail, soit, ok d'accord, mais quand on regarde ailleurs, on s'aperçoit que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Exactement. Exactement, exactement ça, ouais. Voilà, ouais. Là, il y a deux semaines, je chargeais avec un Roumain qui parlait très bien français. Il part 13 semaines pour 1500 par mois, quoi. Putain, la vache. Ouf, ça fait pas épais, hein. C'est ça fait pas épais. Vu ce que tu me dis, non, c'est pas épais du tout. Hein. Non, il a 4 semaines. D'accord, mais rassure-moi, à côté de ça, il a quand même la carte bleue du patron, on va dire, pour payer l'hôtel, le carburant et tout ce qui s'ensuit, quand même. Ah ben il a les cartes qu'il faut pour le carburant autoroute, mais après tout le reste c'est de sa pomme quoi, donc il faut qu'il vive, il fait pas mal de France, il faut qu'il arrive à vivre avec le quotidien, puisque 1500 c'est son salaire de base avec ses prêts de montant. Ouais, d'accord. Donc il a tout intérêt à rester, à dormir dans son camion s'il veut y arriver. Et aller faire ses courses au supermarché du coin par exemple, parce que le restaurant ça va vite lui faire trop cher. Ben, c'est ça, exactement ça, ouais. Ah, j'ai bien compris. Hein. Ouais, je suis en train de passer là à côté des éoliennes. Tiens, par la même occasion, là j'ai vu plusieurs camions là qui ont des antennes dessus. C'est bon ça. Ah ben... Hop là, là c'est parti en sucette, kilomètre 106. C'est parti en sucette, t'as, je t'ai plus entendu là. Bah, je suis en train de m'éloigner de toi, mais sur la droite quoi. Je vais sur Niort, ouais. Ah merde, attends. Ok. Non, bah c'est bon, c'est remonté. Là. Bah là, je vais repartir dans un trou. Ah, t'aimes ça les trous, mon cochon. Ouais. Oui, ben voilà, là, ouais, là j'ai bien senti, là quand t'as rigolé, là je t'entendais presque plus. Alors j'arrive au panneau, département des Deux-Sèvres, des kilomètres 107. Ok, voilà, ouais, je vais pas tarder à te perdre là, je pense. Ne pense pas, t'inquiète pas, j'ai la cavalerie qui est en marche derrière. Impeccable. En tout cas, toi, maintenant que j'ai quelqu'un là, du forum fier d'être routier là, en fréquence, hein, eh bien, j'aimerais bien qu'il y en ait d'autres là, qui se joignent là, au QSO. Hein. Ah ouais, mais il y en a beaucoup, il va falloir que tu les trouves sur l'autoroute. Il y en a beaucoup qui sont sur l'axe de la 7. Après, sur ta descente, tu peux avoir, sur Bordeaux, des fois, tu peux avoir Ludo 17. Mais je sais qu'il est emmerdé parce que comme son antenne est derrière, et avec sa peine en ferraille, bah, ça merde un petit peu. Ouais. Oui, je crois savoir de quelle station tu parles, ceux qui sont généralement soit sur le canal 16 ou le canal 17. Et tu as aussi des mille pattes en benne également sur le canal 15, d'autres mille pattes sur le 25, le 35, le 5 aussi. Alors sur le 5, j'ai vu, là, c'était surtout des jeunes là, qu'il y avait dessus. Le canal 7, ah oui, le canal 7, une fois j'étais surpris, je me croyais sur le canal 19, je passe sur le pont d'Aquitaine, et comme à chaque fois quand je passe sur le pont d'Aquitaine, j'envoie le petit bonjour à tout le monde. Sauf que là, j'étais sur le canal 7, et j'entendais personne avant ça, d'un seul coup ça a répondu, je me suis dit tiens, c'est bon savoir ça. C'est vrai, beaucoup font le tour des canaux en tant que personne, alors que les mecs ils sont là, parce qu'ils utilisent la CIBI comme ni plus ni moins comme radio-téléphone, moi qui prennent le micro seulement quand ils en ont envie, et puis voilà quoi. Et ce qui donne vraiment l'impression qu'il n'y a personne en fréquence. Il faut être là juste au bon moment et puis c'est tout quoi. Ouais, c'est ça, il faut être au bon moment, mais tu vois, mardi matin j'étais sur Bruges, enfin je vidais à Bruges,
Yamaha, je ne sais pas si c'était une station fixe, je pense pas. C'était, alors, je ne sais pas si c'était en bouche ou si c'était à 1000 pattes, mais il était à dire la circulation sur Bordeaux, sur son axe. Ouais, ça papote derrière, ça papote dans le lointain derrière. Ok, mais si tu as sur Bordeaux, tu as en 1000 pattes, tu as Nico, tu as La Belette, après j'ai oublié. Et eux sont, sont tous les jours en fréquence. Nico, parce que je me souviens, il a dit son nom de Nico. Ouais, voilà, je l'ai plusieurs fois justement là en fréquence. La Belette, c'est pareil, je l'ai très souvent en fréquence. Du côté des stations fixes, alors t'en as très peu là qui descendent sur le 19. Alors si ça va être du côté nord-ouest du département 24, limite avec le nord-est Gironde. Oui, de ce côté-là, tous les jours, là, tu as des stations fixes là, qui sont sur le 19. Et pour tous les autres, ils sont principalement en BLU. C'est même pour faire des cuissons locales d'un quartier à l'autre, ils se mettent en BLU sur les canaux supérieurs. C'est bon, on va dire, chacun sa politique à ce niveau-là. Mais perso, pour des cuissons locales, je sais pas, mais en toute logique, je préfère être sur les 40 canaux. Quoi. Voilà, je viens de rentrer dans le département de Charente-Maritime. De Charente. Hop là, là, ouais, je t'ai perdu là. Je t'entends, je te devine un petit peu derrière, mais c'est tout, pas plus. Je t'ai entendu parler, je t'ai absolument pas du tout compris ce que tu as dit. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais t'envoyer des bonnes 13-51, très content de te connaître, de t'avoir eu en fréquence. Et ben, à la prochaine sur les ondes ou sur le forum Fier d'être outillé, pourquoi pas. Ouais, voilà, ça passe plus. Merci à toi, bonne route, bye bye. Appel de 14 km 3301 opérateur ami en mobile sur la nationale 10 à la hauteur du kilomètre 20. Oui, bonjour, station 14-01-02, l'opérateur Thierry mobile nationale 10 également. Retour.
Ok. Ah ben ça c'est... On fait QSY sur la fréquence de votre choix. On peut faire 565. C'est parti pour moi. Voilà, rendu. Ah, je suis rendu. Attention à la station, là, pour 14 km, 33-01, opérateur Rémi, Dundee 33, là, en ce moment, sur la 210. CQO, CQDX, appel de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, en mobile sur la nationale 10, au kilomètre 57, à côté d'Angoulême. Affirmatif, mais un peu, là c'est vrai que là, on a fait un super beau QSO là, j'étais étonné là, qu'on tienne aussi longtemps. Non, je plaisante, je déconne. Alors, c'était un QSO très intéressant là. Ouais, donc là, tu as vu comme j'ai dit tout à l'heure, non, ensuite on est sur 555, on va pas continuer, on va pas refaire un deuxième QSO. Ah, j'ai trois coups. Il n'y a pas énormément de propagation, je pense pas qu'on gêne la fréquence. Ouais, mais bon, c'est une histoire de, on va dire, de déontologie. C'est plus dans ce sens-là, quoi. Puis, de toute façon, on risque de s'attirer les foudres des stations qui restent toute la journée en stand-by derrière. Hachi. Ok, les 73 également, les SWL de la part de 14 Kilomike 3301, opérateur Rémi, Dundee 33 sur la National 10 à la hauteur de d'Angoulême. Ok, d'accord, à l'époque quand j'étais sur Orléans, par contre là c'était Push 45, devenu après, parce que je suis natif du 37 aussi, devenu après Athlon 37, pour finir après Dundee 33. Ouais, mais du coup, t'es mieux dans la région Saint-Émilion que dans l'Orléanais, hein. Mais c'est le pro hein, qui m'a amené par ici. Hein. Attends, là on attend de faire un QSO là, ça le fait pas trop. Hein. Ok, bah on va arrêter. On va rester à l'écoute, les amitiés. Ok, merci les amitiés. CQO, CQO, CQDX, appel 214 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur la National 10 à la hauteur d'Angoulême. Oui, j'ai entendu quelqu'un derrière, les 73-51 de station de la part de 14 km, 3301, opérateur Rémi, Dundee 33 sur la National 10 à la hauteur d'Angoulême, mais c'est beaucoup trop QRP là, j'arrive à peine à vous sortir.
sur les stations d'Angoulême pour Dundee 30 qui lance appel depuis la National 10. Sur les stations fréquences pour Dundee 33 qui lance appel à la hauteur de d'Angoulême sur National 10. Quoique là il est midi et demi, tout le monde est au gastro. Ah voilà, National 10 qui vient au mode 65. Bon bah bon gastro à tous, vu l'heure. Qu'il n'aurait pas reconnu, H3Q, El Comandant. Donc si on l'entend, c'est que la propagande. CQ, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur la National 10. CQ, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur la 210 à la hauteur du kilomètre 90. Je ne passe pas sur la même télé,
figé. Il est complètement allumé de la cafetière, celui-là. Pagnard, ça va, Pagnard, viens. Ah ouais, là on le connaît tous, là c'est El Comandante. Il est sur le sud-est de l'Espagne, là par là-bas. Quoi. Là, il y en a qui ont déjà fait des descentes chez lui, mais bon, ça sert à rien. Quoi. En plus de ça, il est dans un quartier complètement bouclé, complètement protégé. Il est tranquille. Attends, j'ai pas. Vas-y, reviens-moi. Je te disais, tu es dans la zone de travaux, non? Tu l'as passé? Je viens de la passer à l'instant. Ah, ok, bah moi aussi, j'en sors là. Et t'as quoi comme poche? Un duster blanc avec l'antenne au centre du toit au kilomètre 93. 0-11 calling and standing by. Ah oui, d'accord. Rattraper vu qu'on est tous les deux en push. J'ai pas compris la tête. Je suis étonné de te rattraper vu qu'on est tous les deux en push. Ah oui, t'es trop loin là. Il y a un kilomètre d'écart entre nous deux. Ah bah c'est ça, ouais. Je suis à 108 km/h exactement. 108, hein, je dépasse pas. Ok, 110. Oui, affirmatif, oui, c'est tout neuf. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le Nord Gironde. Ouais. J'ai vu l'antenne. Hein? J'ai vu l'antenne sur le toit. Ah bon, je sais pas. Je sais pas. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur Aurignol, Nord Gironde, si je me trompe pas. Comunicado contigo.
CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi en mobile sur si je me trompe pas le Nord Gironde. CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi en mobile sur le Nord Gironde.
récupérer là. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi en mobile sur le nord-est Gironde. CQO, CQDX, appel de 14 km 33, opérateur Rémi, 3301, opérateur Rémi, sur le nord-est de la Gironde. CQO, CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le nord-est Gironde. Attention, les stations en fréquence que j'ai entendu dans le lointain, là, pour Dundee 33 qui lance appel en mobile sur le nord-est Gironde. Thank you.
moi. Thank you.